Alors, bonsoir tout le monde. Bien, écoutez, je suis seul dans l'auditorium. Je vous attendais. Je ne sais pas ce qui se passe. Je suis seul et c'est une soirée très importante pour terminer l'année. Mais bon, je sais pas où est-ce que tout le monde. Je suis un peu en déprime. Eh bien non, c'est une blague. Écoutez, je veux vous dire bon gala, bonne soirée. On le fait à distance, hein, vous comprenez pourquoi. Je suis un peu malheureux de tout ça, mais bon, qu'à cela ne tienne, on se lance. C'est une soirée où on souligne le talent, on souligne l'engagement, on souligne, en fait, les efforts. Je pense que tout le monde, à sa façon, mérite un prix. En même temps, je pense qu'on ne peut pas passer à côté de ceux et celles qui se sont investis peut-être davantage, qui se sont engagés davantage. Et donc, ce soir, ben, c'est ça, le but de la soirée. Même si on est à distance, on ne peut pas oublier ceux et celles qui se sont investis. Et ce soir, ben, on le souligne. Alors, bravo à tous. Bravo particulièrement à ceux et celles qui se sont investis, qui se sont vraiment là, dépassés. Et ben, bonne soirée à tous. Et bravo encore une fois à tout le monde. Et ben, voilà. Merci. Merci, Monsieur Tremblay. Et nos sincères félicitations pour votre créativité. Sans blague, combien de façons différentes a-t-il trouvé pour nous dire qu'il nous souhaitait la santé depuis le 12 mars? Bien vu. Bonsoir, vous me connaissez déjà, je suis Néla. J'ai animé la première remise de prix. Je vous présente Denouja, élève de 4e secondaire et future co-première ministre du collège. Félicitations. Merci. Nous avons donc l'honneur d'animer cette dernière remise de prix pour les lauréats 2020 du Collège Rémy. Bien sûr, tout au long de la semaine, nous avons fait allusion au coronavirus. Sans jamais nommer. C'est bien vrai. Il est important de reconnaître que les derniers mois ont été exceptionnels. Disons que tous les superstitieux pourront citer à jamais le 13 mars 2020 comme étant un exemple parfait que les vendredis 13 sont mauvais présages. Cette pandémie laissera une marque importante dans la mémoire et aura un impact considérable sur notre développement. Nous parlerons fort possiblement de nous comme étant la génération coronavirus. Les circonstances que nous vivons amènent leur lot de défis à relever. On apprend beaucoup sur nous, sur les autres et sur notre capacité d'adaptation. Parfois, les apprentissages se font dans le cadre scolaire, d'autres fois non. Le collège souhaite reconnaître certains élèves qui ont su se démarquer par la qualité de leur engagement scolaire depuis le 13 mars. Ils ont participé activement aux rencontres en visioconférence, ont respecté les consignes de travaux demandées et leurs échéances. Ils ont fait preuve de créativité, de persévérance et se sont appliqués dans les diverses tâches demandées. Ils sont les premiers lauréats Et nous espérons les derniers du prix de l'apprentissage continu à distance. En troisième secondaire, Charlotte Côté, Zainab Dahni, Renaude Landry, Laetitia Lemanceau-Dormois, Fatima Khanefir, Élodie Joseph, Camille Péguet, Angelica Allard, Florian Boulanger, Eric Armando Ortega Herrera, Giulio Colombo et Salahedine Boutkhili. En quatrième secondaire, Héloïse Livernoche, Catherine Tardif, José Demel Caron, Denouja Mutukumaru, Kiana Giorgio Hernandez, Louis Letendre, Kathleen Rico, Jokiane Derive, Philippe Jacques, Jérôme Lalonde, Lina Merani, Nicolas Murray Bureau, Ayana Lille et Lisa Rabi. En cinquième secondaire, Junia Florène Ambroise, Amanda Mateus Calabeira, Émile Lalande, Julien Maccabé, Sabrina Ramnaren, Ania Aitwahyoun, Athanasios Lavassos, Léane Miguel, Boshra Sharif Askari, Édouard Tivierge et Amélie Noiseau. Félicitations, nous avons gardé la crème de la crème. La cerise sur le gâteau. Elle n'est pas sur le sundae, la cerise. Je sais, je suis rendue une pro des gâteaux. Peut-être gâteau, sundae, je sais plus. Oh, en fait,
Le Banque de dépannage linguistique indique que pour un langage soutenu, on devrait plutôt utiliser le couronnement. En gros, là, on souhaite célébrer ce soir les lauréats de prix les plus prestigieux de chaque volet. Les élèves célébrés ce soir se démarquent particulièrement, que ce soit par leur engagement communautaire, leur discipline, leur réussite académique ou tout simplement pour l'ensemble de leur œuvre. En espérant que vos cris et applaudissements se rendent jusqu'à eux, les voici sans plus tarder. Commençons cette belle soirée par un prix chouchouté par M. Tremblay, celui du directeur général. Le prix du directeur général est décerné à un élève par niveau qui assume son leadership et l'utilise positivement auprès de ses pairs et pour faire évoluer le Collège Rennes-Marie. Voici les lauréats en 3e et 4e secondaire. Le lauréat en 5e secondaire est annoncé lors de la cérémonie spéciale définissant. En 3e secondaire, Zoé Vincent et en 4e secondaire, Adjoumani Marie-Reine Tanou. Félicitations! Le Collège Rennes-Marie est bien ancré dans sa communauté et certains élèves aussi. Monsieur Jimmy Young, animateur à la vie spirituelle et communautaire, a quelques mots à s'adresser aux élèves. Bonjour à tous, ici Monsieur Young, animateur de vie spirituelle et d'engagement communautaire. J'espère que vous allez bien. Je suis heureux de prendre la parole aujourd'hui afin de souligner les lauréats de cette année dans la catégorie de l'engagement communautaire. L'engagement communautaire, c'est l'art de donner de soi, afin d'aider les autres et de partager quelque chose qui nous passionne ou nous tient à cœur. Les lauréats cette année se sont démarqués autant pour leur implication au collège que dans la communauté. Certains ont donné de leur temps pour organiser et livrer les paniers de Noël, guider les futurs élèves ou parents lors des portes ouvertes ou soirées de parents, offert de leur temps bénévolement pour organiser des activités au collège au bénéfice de tous nos élèves ou ramasser des fonds pour des œuvres de bienfaisance. J'ai donc le plaisir de vous inviter à vous joindre à moi afin de féliciter. En 3e secondaire, Camille Péguet et Jérémy Chartier. En 4e secondaire, Denuja Mutukumaru et Greg Nathan Carpel Souvenir. En 5e secondaire, Élodie Brisebois et Léo Benoît Chénier. Merci de faire rayonner le cœur du Collège Rennes-Marie dans notre communauté. Nous sommes fiers de vous. Merci de votre engagement. Certains élèves, par leur discipline, leur persévérance et leur talent, disons-le, excellent dans plusieurs disciplines. Ce ne sont plus alors des spécialistes, mais plutôt des êtres polyvalents, spécialisés dans l'excellence générale. Ces élèves se sont démarqués en maintenant une moyenne générale supérieure à 90% à chaque étape. Ils remportent le prix de la Grande Distinction Académique. Parmi les élèves qui reçoivent la Grande Distinction Académique à chaque niveau, un d'entre eux sort du lot en ayant obtenu la plus haute moyenne cumulative. Félicitations à ces élèves de marque. En 3e secondaire, Charlotte Côté, Laetitia Lemanceau-Dormois, Renaud Landry, Zainab Dahni, Calypso Hébert, Zoé Vincent, et Fatima Khanefir. Et celle qui s'est distinguée avec la plus haute moyenne cumulative est Florence Brunet du groupe 301. En 4e secondaire, Denuja Mutukumaru, Maïna Richard Jarry, et celle qui s'est distinguée avec la plus haute moyenne cumulative, Charlotte Leclerc-Guernon du groupe 407. En 5e secondaire, Athanasios Lavassos, Fares Chanebi, Ali Awada, Amélie Noiseux, Cassandra Mainville, Marie-Ève Péloquin, Mona Wardani, et celui qui s'est distingué avec la plus haute moyenne cumulative, Édouard Tivierge du groupe 504. Que parmi ces élèves en 5e secondaire, certains se retrouvent en compétition pour l'obtention de la médaille de la gouverneure générale. Elle représente un prestigieux prix qui est remis à l'élève d'une école secondaire ayant la plus haute moyenne à la fin de ses études. Le calcul de la moyenne est fait à partir du relevé de notes officielles de la fin du secondaire qui inclut les résultats des 4e et 5e secondaires.
Cette année, cette médaille est remise lors de la cérémonie spéciale définissant. Nous approchons la fin de notre soirée des lauréats. Nous avons gardé un dessert. Dessert. Il me semble qu'on a déjà assez parlé pour ce soir. Non, je commence à avoir vraiment faim. Désolée, ce n'était pas intentionnel. Donc, je disais que nous avions gardé pour la fin le prix Marie-Rivier du volet confiant et confiante. Ce prix est décerné à une fille et un garçon de chaque niveau dans le but de souligner l'esprit de leadership démontré dans les divers aspects de la vie scolaire. L'ensemble des membres du personnel détermine les lauréats à partir des critères suivants. L'élève possède un dossier académique marqué par l'effort, la constance et l'engagement, ainsi qu'un dossier disciplinaire exemplaire démontrant le respect des valeurs du collège. Il et elle se démarquent par la qualité de l'harmonie dans le rapport à l'autre. Et finalement, ils font preuve d'une réelle implication dans la vie scolaire. Notez qu'en cinquième secondaire, encore une fois, ce prix est annoncé lors de la cérémonie spéciale définissant. Monsieur Charette, directeur de niveau en troisième secondaire, et Madame Gosselin, directrice de niveau en quatrième secondaire, tenaient à présenter les gagnants pour cette catégorie toute spéciale. Alors, bonjour, chers membres de la communauté du Collège Reine-Marie, chers élèves, chers parents et chers membres du personnel. Jules Charette, directeur de la troisième année du secondaire, depuis janvier dernier seulement. Donc, je m'adresse à vous depuis la ruelle des artistes de ma ville natale de Joliette, mon coin de pays, dans laquelle j'ai bien voulu nommer le prix Marie-Rivier du côté masculin pour cette année. Donc, du côté des garçons, un jeune homme très engagé, avec qui j'ai eu le plaisir de travailler notamment sur la préparation du bal demi-secondaire, qui est très présent, rigoureux, qui fait beaucoup d'efforts, malgré des défis, comme tous et toutes en ont. C'est un élève qui est assidu et à qui il me fait plaisir de remettre le prix Marie-Rivier cette année chez les garçons, Sheldon Boiron. Je vous présente une élève qui a su laisser sa marque au Collège Reine-Marie. J'ai eu le privilège d'observer les qualités exceptionnelles de leadership de cet élève auprès de ses collègues de classe. Je peux vous dire que cette élève est accueillante, elle est toujours souriante et je ne peux passer sous silence le fait qu'elle soit très engagée dans différents comités au collège. C'est assurément une élève qui est un modèle à suivre et qui représente de façon magistrale les valeurs du collège. Alors, il me fait plaisir de vous présenter la récipiendaire du prix Marie-Rivier, Mademoiselle Xaï Tremblay. Bonsoir. Avant d'annoncer les lauréats des prix Marie-Rivier en 4e secondaire, je dois faire quelques remerciements. D'abord, des remerciements aux élèves qui ont accepté d'animer ou d'être artistes cette semaine à la soirée des lauréats. Sans vous, ça aurait été un peu plus plate. Également, un grand merci aux enseignantes qui ont été derrière ces élèves-là tout au long des dernières semaines dans le comité de la soirée des lauréats. Donc, merci à Mme Beaulieu, merci à Mme Blanchette, merci à Mme Tardif et merci à Mme Turmel. Merci également à Mme Tagerine qui a été la voix qui vous a annoncé les gagnants tout au long de la semaine. Maintenant, la gagnante du prix Marie-Rivier est une élève qui montre une ouverture aux autres et une bienveillance dans toutes les relations qu'elle a. C'est une élève qui est impliquée, qui se donne à 100% dans tout ce qu'elle fait. C'est une élève impliquée dans la troupe Charisma et dans l'équipe d'improvisation des Titans. Elle doit commencer à se reconnaître. Félicitations à Victoria Roberge-Forat. Le gagnant du prix Marie-Rivier cette année est un garçon qui s'épanouit en apprenant et en s'impliquant. C'est un garçon qui, au quotidien, se démarque par sa gentillesse et sa courtoisie. Quel plaisir de le croiser dans les corridors. C'est un garçon qu'on voit dans les activités du collège, que ce soit la fin de semaine ou en soirée. Donc, le prix Marie-Rivier est remis cette année à Alexander Trujillo. Félicitations, Alexander! Voilà, c'est pratiquement terminé. J'espère profondément que rapidement, nous pourrons tous nous revoir à la rentrée au mois d'août. Et Néla, je suis certaine que je parle au nom de tous les membres du personnel et de plusieurs élèves en te disant à toi et à tous les autres finissants que Reine-Marie serait toujours votre maison.
Revenez-y quand vous voulez et aussi souvent que possible. Merci Dinuja, j'y compte bien. Nous laissons la fin aux enseignants et membres du personnel du collège qui voulaient vous dire quelques mots. Écoutez-les bien, ce n'est pas comme si on en avait eu beaucoup l'occasion cette année. Leurs mots sont accompagnés par la très douce mélodie jouée par Dorothée Nazaire, une élève de 4e secondaire. Bonne soirée à tous! Chers beaux enfants, cette semaine, nous avons eu l'occasion de vous reconnaître pour autre chose que vos performances aux évaluations. Ou votre capacité à suivre les consignes ou votre ponctualité. Le monde qui vous entoure est plein d'obstacles. Confinement, changement climatique, addiction aux jeux vidéo, chorégraphie TikTok. Relations amoureuses qui dégénèrent, et on en passe. Contre toute attente, vous vous levez chaque matin. Vous nous offrez le meilleur de vous-même dans toute votre authenticité. L'une de nos missions en tant qu'équipe d'enseignants est de vous faire accepter que la vie est remplie d'injustices. Ce sont toujours les plus grands qui auront la meilleure vue dans mes spectacles. Même si vous avez payé votre billet le même prix qu'eux. Même si vous attendez 20 minutes en file pour prendre le métro, il y en aura toujours un pour vous dépasser et prendre votre place dans le wagon. Malgré ça, la vie vous demandera toujours de donner le meilleur de vous-même. Et si vous émettez toutes vos énergies, vous atteindrez vos objectifs. Ce que votre éducation vous aura toutefois appris, c'est que même dans l'échec, vous ne serez pas seul. Et vous saurez trouver les moyens pour mettre toutes les chances de votre côté pour vous rapprocher de vos objectifs. Chaque année, vous bâtissez des amitiés qui dureront toute une vie. Et des souvenirs que vous n'êtes pas prêt d'oublier. En plus d'avoir réussi à retenir quelques trucs pertinents, pédagogiquement parlant, vous avez fait tout cela en tenant tête aux injustices et en choisissant d'être persévérant et bienveillant. Si la situation planétaire de cette année aura eu un impact sur nos vies, c'est aussi celui de nous rappeler que l'essentiel, c'est d'être ensemble et de prendre soin de nous. À Reine-Marie, nous avons la fierté de pouvoir dire, sans exagérer, que nos élèves auront développé la compétence qui les mènera au succès. Ils sont humains. On espère sincèrement que même si vous avez oublié la plupart des mots qui vous ont été adressés ce soir, vous vous souviendrez au moins du sentiment que vous ressentez et de la fierté que vous avez vue dans les yeux de vos enseignants et de tous ceux qui vous côtoient quotidiennement. Que ce soit en personne ou en mode numérique. Nous en avons pour plusieurs années à dire à nos élèves. Si mes élèves ont réussi à tout apprendre pendant le coronavirus, on s'entend que vous devriez être capables vous autres aussi, hein? Fait que forcez-vous un peu, là. Cette année scolaire sera mémorable pour nous tous. Elle passera sans aucun doute à l'histoire. Mais pour l'équipe qui vous entoure, ce sont des adolescents allumés que vous êtes et des efforts exceptionnels que vous avez fournis dont nous nous souviendrons. Félicitons-nous collectivement. Partons en vacances avec une fierté et une énergie renouvelée. Félicitations à tous nos lauréats. Merci aux animateurs et animatrices. Et bien sûr, aux artistes. Et bon été à tous!